Eh bien, bonjour les amis, c'est Baboy en compagnie de Chris. Yeah, Chris, toujours présent dans la Dino Robotics pour une nouvelle aventure avec Bubboy. Yeah! Hier, les amis, merci pour vos likes, le fait que vous partagiez et que vous commentez la vidéo, cela m'encourage vraiment beaucoup. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube de Eagles Robotics et sur son site. Yeah! Bon, dis-moi mon frère. À quelle sauce je vais te manger aujourd'hui? Dressage, chassage, massage, mangeage. Mon frère, j'ai une triste nouvelle à t'apprendre. Comment ça? Notre chaton ambulant, notre brontosaure, suivi de son T-Rex, a été bouffé littéralement par un giganotosaure. Mais non! Si. Vengeance! Je Yeah. demande Oui. réparation. J'ai mis en branle l'ensemble des enquêteurs privés et inspecteurs privés du serveur. La cible Donc a été retrouvée. ça veut dire un épisode de chasse alors. Non, mon frère, on va lui donner Quoi? pire que ça. Je vais le Dis-moi. dresser pour qu'il s'agenouille devant moi et qu'il me supplie. Ah, un nouveau membre dans l'écurie du Seigneur Chris. Ouais. Ouais, j'avoue. Belle vengeance, belle vengeance. On va le mettre à certaines corvées. Belle vengeance. Bon. Et donc, ça veut dire dressage, c'est ça? Exactement, le suspect a été repéré du côté du volcan. Il faut pas trop qu'on tarde, mon Ok. frère. Donc, qui dit dressage dit cuisine. Direction la cuisine. Comme d'habitude. On va à la cuisine. Suis bloqué. Vas-y, descends. Bonne fois, c'est toi qui descends en premier. Alors, pour la recette, il nous faut des œufs de Quetzal. Hop. De la viande séchée primeur, des carottes, et des méjoberies. Tu m'entends toujours, mon frère? Yeah! Et voilà, ça nous donne des croquettes de Quetzal. J'en ai fait déjà 8. Donc mon frère, bah écoute, on va utiliser. J'ai déjà fabriqué donc du coup la selle du giganotosaure à partir d'un des blueprints qu'on a obtenu via l'offrande de l'artefact de la force. Tu m'entends, mon frère? Oui, je suis toujours là, je suis toujours avec toi. Suis toujours là, en train d'écouter la recette pour un dino qui ne sait pas que c'est sa nourriture préférée, quoi. Ah Surtout que c'est un Quetzal, c'est un peu le dino qui vole très haut dans le ciel, quoi. oui, ah bah oui. Vous imaginez la probabilité. Un petit peu, hein, c'est ça qui me donne des fois, mais bon.
Bah oui, un quetzal qui vaut si haut et que un jour malencontreusement, hop, il pondit un œuf du haut du ciel et qui tomba à terre. Et l'œuf a roulé, 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 hop, il s'est rattrapé dans une marmite où il y avait plein d'ingrédients, ça a cuit et hop, ça a fait des croquettes. Et il y avait un dino qui passait par là et qui a goûté, qui s'est dit, ah tiens, tiens, c'est ma nourriture préférée ça. Bravo le scénario archéen, super la logique. Non, je pense plus que la logique est liée à la progression du joueur, tu vois. Mm-hmm. C'est que c'est pour obliger le joueur à dresser d'abord un Quetzal pour pouvoir après dresser un Giganotosaur. D'accord, évidemment, c'est logique, cette logique. Bah, c'est une logique, voilà, elle est tout à fait à ce niveau-là, parce que tu te souviens, mais pour... en fait, c'est une chaîne de croquettes. Tu dresses d'abord un scorpion, un Pulus Monoscorpius, qui te donne des œufs avec lequel tu fais des recettes pour dresser un T-Rex. Okay. Ensuite, tu as des œufs de T-Rex avec lesquels tu vas pouvoir dresser des Quetzal. Et ensuite, avec le Quetzal, tu vas pouvoir dresser du coup des Giganotosaures. D'accord. C'est de la bonne logique. C'est logique, cette logique, finalement. Le Seigneur Chris est attendu à sa boîte à lettres. La cour. Et j'espère pour vous que j'ai du courrier. Alors, où est ma fidèle monture? Ah, Cécile. Viens là, ma brave Cécile. Ya C'est plutôt pratique, hein. À dos de ta monture. Ah bah alors bon, on ferme la porte. Alors, je te laisse m'annoncer la nouvelle, avant que j'arrive à la boîte aux lettres. Tu peux crier. Tu peux râler. Comment? Tu peux être en colère. Aurais-je la berlue? Ou est-ce parce que je suis en hauteur sur mon cheval que je vois peut-être mal? Vous m'obligez à descendre à terre encore. Oui. Alors. Comment ça, il n'y a pas de courrier? Mon frère. Quoi? Mon courroux sera terrible. Oui. Bien, j'ai quand même une bonne surprise pour toi parce que je suis tellement déçu d'avoir perdu mon brontosaure que bah du coup, comme tu sais que j'avais gardé les parents dans un coin, d'accord. Bah, j'en ai refait un. Ah, enfin une bonne nouvelle. J'ai un peu changé le design. D'accord. Pourquoi la porte elle s'ouvre pas? Ah, elle n'obéit qu'au Seigneur Chris. Merde, j'ai envie de la referme après. Tu sais, c'est le système biométrique à l'ancienne. Regarde mon frère. J'ai refait un château ambulant. Ouais. Yeah! Alors cette fois, j'ai mis l'échelle devant, au lieu de mettre l'échelle derrière. Ah, super. Yeah. C'est nous les plus grands dresseurs de l'île. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Yeah. Ah, c'est pas mal. Ah bah c'est cool. T'as pu prendre l'échelle ou pas? Merde. Attends, je vais poser ma monture. Ma fidèle monture. Je
Chaton Bulon 2. Donc, les amis, hein, à défaut de pas me mettre du courrier, vous pouvez au moins trouver un nom à ce dino. Et à plein d'autres encore. Hein. Bah, j'ai appelé le T-Rex bêtement Brutus aussi. J'ai refait un second T-Rex avec les parents pour protéger le Bronto. Ok, ok. C'est la génétique du professeur Boboy. Yeah. Ah. J'ai refait un peu la même configuration, sauf que bah, comme j'ai un peu mieux posé la Fabricator, bah, du coup j'ai pu laisser le grill encore au rez-de-chaussée. Bah oui, non mais Tim, tu m'étonnes, l'autre dino là, il nous a coûté un grill quand même. Et des matériaux quand même. Bah, bah pourquoi la porte elle s'ouvre pas là? J'ai un vrai problème avec les portes. Laisse faire le Seigneur Chris. Et ça s'ouvre. Système biométrique à l'ancienne. Regarde, donc, du coup, j'ai refait l'atelier, le petit atelier. Okay. J'ai mis un peu plus de forge. Là, c'est frigo et générateur. D'accord. Ah, il n'est pas alimenté, là, le frigo. Attends. J'avais mis... Oh, j'ai oublié de remettre de l'essence. Ben non. Ah, ça y est. Oh, il y a un escalier. Ouais. Ah. Je te suis. On dirait que tu es monté en faisant le moonwalk. Je laisse ouvrir la porte. Ah, évidemment. Il ne me reconnaît que moi. Ah, la salle du trône. Ouais, je te l'ai un peu remué, je te l'ai mieux fait. Avec la peau de grizzly là au milieu là. Ouais. Puis si on a le courage, on ira rechercher des artefacts pour la remplir. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, nickel. Nous, on ne recule pas devant un défi à la Dino Robotics. Tiens, viens par là, c'est le parking à Dino. On a même un parking à Dino. Ouais, un parking à Dino volant. D'accord. Les portes veulent bien s'ouvrir. Alors, pardon, l'espace. Hein. C'est la biométrie à l'ancienne. Je suis bloqué. Oh. Bah, c'est parce que tu le laisses pas passer ton souverain. Alors, sais-tu comment marchait la biométrie à l'ancienne? Non. Eh ben, c'est simple. En fait, les portes étaient munies d'un trou et il fallait mettre un certain engin et il fallait que ça matche avec la taille. Je vois pas de quoi tu parles. Et comme j'ai la bonne taille. Je veux pas savoir. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu veux avancer? Mais non, je suis bloqué. Bon. Bah merde. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Mais je sais pas, ça a sauté dans tous les sens. Mais je crois que tu as fait la porte un peu... C'est un peu bizarre ici. Ah, c'est bon, j'ai réussi à me débloquer. Je l'ai peut-être un peu raté, c'est pas grave. N'obéis qu'à ma voix. Et à l'étage, il y a nos chambres. Ah, ok. Un peu spartiate, mais ça va. Ouais, ah, il y a un... Un lit king size et puis un petit lit. Le petit lit, c'est pas pour moi. Demandé qui... Il n'y a pas demandé qui a quel lit. En plus, le mien, il est près de la cheminée. Et viens. Ok, petit potager. Ça veut dire que franchement, on peut faire une excursion avec ce dino tranquille, quoi. C'est prévu, mon frère. Mais là, d'abord, yeah, il y a un giganotosaure à qui on veut la peau. C'est ça, vengeance! Bon, on en dressera un et on en tuera un. Voilà. À tout de suite, les copains! C'est la pub!
Mon frère, yeah. On a un ami. Sache qu'il a trouvé notre suspect. Ah ah. Le malandrin. Comment aussi s'en prendre? Bah oui, comment a-t-il osé s'en prendre à des dinos de la Dino Robotics? On va le faire plier, il va se mettre à genoux devant nous. Peut-être que c'était un message qu'il voulait nous envoyer en mode je veux faire partie de l'équipe, s'il vous plaît. En tuant mon joli brontosaure château ambulant? Normalement, il mérite la mort. Non, il va subir pire que la mort. Ah. L'esclavage. Pardon, Bardo. On fait de l'esclavage d'animaux maintenant. Alors, est-ce que tu le vois? On approche de la zone indiquée, mon frère. Oh, je vois une grosse queue. Ah, mon frère. Ouais. Change de position. Regarde la bête. Change de siège. Où est-ce qu'elle est? Ah, un bon spécimen. Voici ce qui a éliminé notre brontosaure. Ok, ok. Un bon spécimen. On va lui faire la peau. Propose mon frère. Ouais. Ouais. Ce que propose mon frère, c'est qu'on va d'abord déposer le piège. Ok, ça marche. On va se mettre à peu près là. Ça va être bien. Est-ce que tu peux sécuriser la zone pendant que je construis le piège, s'il te plaît? Ouais, ça marche. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah. On se fait attaquer. Tu sécurises? Ouais. On se faisait attaquer par un pterodinosaure. Bon, je l'ai réglé. C'est bon, zone sécurisée de mon côté aussi. Attends, je prépare aussi en même temps la carabine. Avec les fléchettes de choc. Alors mon frère, pour un dino comme ça, il nous faut un piège. Colossal. Est-ce que tu peux sortir le... Tu m'entends mon frère? Mon frère? Ouais. On pose le piège. Yeah. Bon ben super. Ah oui, tu l'as posé vite quand même, hein. Vite, vite, Alors, ne tape pas le virage, je vais lui donner de la bonne viande de pterodinosaure. Alors, on va déverrouiller la porte pour qu'elle reste ouverte jusqu'à ce qu'on fasse rentrer le giganotosaure. Mon frère, okay. Ouais. Étant donné que tu es le seigneur, je vais faire la part.
Souhaite-moi bonne chance. Attends. Il y a une espèce de truc là qui rôde à côté de nous là. Ouais, c'est un chilacotérium. Ah, ok. Bon, pendant ce temps, moi je prépare mes fléchettes tranquillisantes pour le bestiau. Voilà, c'est chargé. Où qu'il est, le bestiau? Il est devant moi. Chope-le, chope-le! Il est en train de s'occuper de bestioles. Il s'intéresse pas à moi, mon frère. Ah, peut-être un coup dans le cul, ça va le réveiller. Ça y est! J'arrive, mon frère! Ah. Argent! Ouais, t'as pas trop suivi là? Oh! Attends, je vais lui mettre une petite balle. Voilà, je lui en ai mis une là. Bon. Ah! Mets-toi dans le piège! Dans le piège! Et mon frère? Ouais. Monte où t'as pas de Gérald. S'il y a une espèce de. D'Argentavis qui. Grappe, mon frère! Attends. Oh là là, j'arrive pas à grimper! C'est bon! Vas-y, débarrasse-toi de lui! Je sais pas si j'ai le truc adéquat. Non. J'ai pas le truc adéquat. Attends. T'es avec des flèches. Bah prends l'arc à poulie. C'est bon, bien j'ai joué, eu. Frère. Il y en a une espèce de moustique. Il est où le... Ah, je crois qu'il est dans le piège. Il est dans le piège, mon frère. Yeah! Atterri. À volonté. Yeah. Il s'est sorti du piège. Viens, on va le dresser en l'air. Oh, j'essaie déjà de m'en sortir, là. Écarte-toi! Où est-ce que tu es? Je te vois pas. Je te vois. Wouah! T'es tué! Bon, chers amis, ceci, c'est quelque chose d'anodin. Bon, j'ai été tué parce qu'on n'essayait pas de le chasser, mais de le dresser. Dans le cas contraire, j'aurais déjà fait sauter son scalp. Je vais essayer de le mettre dans le piège. Et après, on... Je vais te poser un lit pour que tu puisses réapparaître. Ok, ça marche.
J'attends. Contrôle porte ouverte. Allez les amis. Seul face à cet ignoble criminel. Comment a-t-il osé tuer votre suzerain ? Venge-toi ! À tout le peuple africain, vengez votre suzerain, le Seigneur Christ. Bon, ben boy, ça vient, c'est dit. Ah. Bah alors? Attends mon frère, je vais me faire croquer. Hein? Je vais me faire croquer. Bah non. Alors? Il est en piège! Je construis le lit! Ah! Enfin! Voilà, il est posé! Ah, je le vois! Enfin! J'ai failli attendre! Je me réveille. Tranquillement, un gigadot tarion devant moi, emprisonné, prêt à se faire allumer. Tu utilises bien les fléchettes de choc. Oui, t'inquiète. Piou. Piou, piou, piou. Ça t'apprendra. Méchante bébête. Bon. Au lieu d'être en caleçon, je pense que je vais quand même mettre mon armure. Parce qu'on ne sait jamais. Je me fais attaquer. Dans le feu de l'action. Déjà ? Yeah, il est inconscient, mon frère. Guette la taille de la gueule, mon frère. Ben, je crois qu'il t'a mangé d'une traite. Hein. Il a pas pris le temps. Non, mais, non, mais viens, tu me fais une photo là. Regarde devant ta gueule. Attends, mon frère. Je pose ce qu'il faut. Tiens, c'est ouf. Oh putain, il perd vite en inconscience. Ah bon ? Faut peut-être lui en remettre un coup. Là, je suis devant sa gueule là. J'arrive pas à accéder à l'inventaire, mon frère. Je suis bloqué. Mais non. Mais non. T'arrives pas à accéder à ton inventaire ou à son inventaire? À son inventaire. C'est bon. Vas-y, je vais faire une photo. Il va bientôt se réveiller. Tiens, mais regarde dans son inventaire si tu y arrives. Essayez. Impossible. Mesdames et messieurs, ceci est un bug arcien. Alors, soit c'est un complot. La photo est prise, mon frère. C'est ça. Donc, attention, attention, spoiler, la drogue, c'est mal. Et le mal, c'est mal. Et le bien, c'est bien. Yeah. C'est nous les plus grands. Les plus grands. C'est nous. Yeah. Mon frère, nous venons d'intégrer dans l'équipe le carnivore le plus dangereux de l'île. Ah. Alors les amis, le giganotosaure, vous le trouverez sur cette carte.
Alors, ils mangent tout type de viande. Évidemment, la viande de poisson cuite est la moins bonne et la viande primaire est la meilleure. Vous trouverez ensuite la croquette qu'ils préfèrent, qui sont les croquettes d'œufs de Quetzal, avec la recette que je vous mets tout de suite dessus. Particularité, on peut obtenir donc du coup la selle via soit l'offrande de l'artefact de la force, la grotte du Yeti. Est-ce que j'ai le niveau pour débloquer la selle? C'est ça qui est giga. Fallait peut-être pas en faire avant. Non. Je crois que j'ai pas le niveau. Je repréciserai, je vous mettrai en filigrane le niveau pour débloquer la selle du Gilgamesh. Mon frère ? Avec vous. Il va falloir qu'on le mette en suivi, c'est ça ? Hein ? Ah non, moi j'ai la selle. Ah ok. Ouf, tu m'as fait peur. Mon frère, à toi l'honneur. Yeah! Oh, on a une belle vue d'ici, hein. Par contre, il est bloqué là. Tu peux ouvrir les portes à Dino, mon frère. Ce que j'essaie de faire, mais. Elle ne veut rien savoir. Faudrait peut-être que tu l'ouvres. Parce que lui, pas savoir sauter. Ah, enfin ! Tremblez ! Créature ! Vénérez et agenouillez-vous devant le Seigneur Christ et sa monture. Tremblez, vile créature ! Alors mon frère, sais-tu quel usage on peut en faire de ce type de créature, à ton avis ? Déjà chasser, je pense. C'est l'un des meilleurs à chasser. Effectivement, mis à part le titanosaure, rien ne lui résiste. Même un T-Rex bien stuffé avec une bonne armure et va avoir des grosses difficultés à venir à bout d'un giganotosaure. On peut chasser, on peut raqueter aussi des œufs, parce que bah ouais, parce que lui bien, il prend l'œuf, personne ne voit. Voilà. Alors, donc du coup, malheureusement, il a un défaut. C'est quoi ? Parce que c'est quand même un véritable sac à PV, c'est un véritable tank. Il fait des dégâts astronomiques, presque mis à part le titanosaure. Rien ne lui résiste, il a donc un défaut. Il peut rentrer en rage. D'accord. Et cette rage, s'il rentre dedans, eh bien même celui qui l'a apprivoisé peut être sa victime. D'accord. Donc si tu le mets en rage, il peut te bouffer, même s'il est apprivoisé. D'accord. Mais bon, il n'aurait même pas bouffé son suzerain. On va essayer quand on va affronter le titanosaure, mon frère. Ok, ça va. Bon bah les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et ciao les amis.